Jabir Paporetti aurait déclaré aux enquêteurs qu'il avait l'intention de faire exploser l'ambassade de France. Le jeune homme a justifié sa démarche en évoquant la position de la France par rapport à la situation en Palestine. Il a comparu devant le tribunal de Port-Louis faisant face à une accusation provisoire sous la Prevention of Terrorism Act. Cette hospitalisation permettra de savoir si le suspect souffre ou pas de problèmes psychiatriques. L'inspecteur Shivakutan explique que l'enquête policière se poursuit. Oui, donc concernant le cas d'individu qui s'est arrêté avec un engin artisanal près de l'ambassade de France, et l'enquête est continuée dans cette affaire, et c'est une charge de threatening to do an act of terrorism, c'est une infraction à la section 3.1a du Prevention of Terrorism Act. Et là, le prévenu en question est toujours sous la garde de la police, mais il est admis à l'hôpital pour soin, l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard Hospital pour ce bon soin, et il a effectivement une vigilance policière. Le suspect est incarcéré dans une section de haute sécurité du Brown-Séquard en attendant les rapports des médecins. Jabir Paporetti comparaîtra de nouveau devant la justice le 27 mai prochain.